Une chose que je vous ai pas montré jusqu'à présent, je me suis installé mon rideau de douche. C'est celui que j'avais dans la salle de bain avant dans l'appartement. Il a fallu que je m'achète un système de raccord avec filin, hein, qui est composé de deux embouts comme ça, un de chaque côté. Vous avez un long filin qu'il faut couper à la bonne dimension et après ça se visse avec un système de vis. Voilà. La difficulté de cette histoire-là, c'est qu'il a fallu que je fasse un raccord supplémentaire ici. Ici, là, c'est raccordé ici, il n'y a pas de problème. Bon, la longueur est un peu, donc ça déborde légèrement, mais bon, on va dire que pour l'instant, ça suffit. Et là, il a fallu que je lui fasse un équivalent face à face. Donc j'ai coupé un bout de tasseau que je suis venu fixer par-dessous, de manière à ce qu'il ne bouge pas, et je l'insère ici pour pouvoir mettre ma tige de rideau. Résultat, j'ai un rideau qui est bien fonctionnel. Voilà, hop. Et qui me permet de faire un petit brise-vue et surtout d'empêcher, quand je le mets correctement, que l'eau s'éclabousse dans l'entrée. Voilà, le dernier petit point, en attendant toujours, hein, on bricole, c'est que pour pouvoir bloquer le rideau, comme vous voyez là, je me suis juste fait une petite patte. Voilà, une petite patte de renfort ici, qui me permet juste de le bloquer légèrement. J'en achèterai une un peu mieux, mais pour l'instant, ça fait là aussi le boulot. Donc voilà pour le rideau de salle de bain.